Il 95% degli italiani ritiene assolutamente indispensabile che si privilegi per il trasporto delle merci la ferrovia rispetto all'autostrada e il 55% pensa che l'Unione Europea dovrebbe investire prioritariamente su questo sistema di trasporto. Tutta questa situazione ci dà la dimensione di quanto sia importante continuare il rapporto di collaborazione tra TELT e i principali istituti di ricerca scientifica. Le CETU est un service technique central du ministère des Transports qui est rattaché au ministère de l'Écologie. Donc il a une seule implantation en fait sur le territoire français, donc sur le site où nous sommes aujourd'hui, donc à Bron, voilà, à proximité de Lyon, à proximité des Alpes où on va trouver la majorité des tunnels français. C'est un service qui comprend 85 personnes. Qui dépend directement en fait de la Direction générale des infrastructures de transport et de la mer, la DGITM. Le CETU donc est un service qui a 50 ans. On fête les 50 ans actuellement du CETU. Il a été créé le 31 décembre 1970. Il était dédié au départ au domaine routier. Donc il s'intéresse en fait à tout ce qui touche au tunnel. Ça va de la conception, du dimensionnement, donc tout le volet génie civil, jusqu'aux équipements, en passant par la sécurité et l'exploitation des ouvrages, la gestion du patrimoine donc également. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert également aux autres modes de transport, donc le secteur ferroviaire, tout ce qui touche également les transports guidés urbains, et puis également les espaces souterrains, dans la mesure où il y a une réflexion qui est menée sur la contribution du sous-sol à la ville durable. Le CETU est en contact avec TELT et en relation, donc il y a une collaboration qui existe depuis plusieurs années. Elle s'est concrétisée en particulier avec un accord cadre qui a été signé en août 2017 pour une durée de 3 ans. Et différents domaines thématiques sont abordés dans cet accord cadre. La géologie, la géotechnique, l'hydrogéologie, par exemple. Vous avez également tout ce qui touche à l'environnement, à la gestion des matériaux excavés. Et puis également à tous les aspects également contractuels et analyse des risques techniques. De nombreuses actions ont été menées dans le cadre de cette convention, y compris des actions de formation en fait, du personnel de TELT, notamment sur l'analyse des risques techniques, et puis également des avis, des expertises sur des sujets particuliers donc, au cours de ces 3 années. Actuellement, nous avons un projet de nouvel accord cadre qui est en préparation et qui donc, est en examen auprès de TELT pour repartir sur une nouvelle période de 3 ans, avec des thématiques qui sont dans la continuité du premier accord cadre.